Bonjour, je suis François Allard, cofondateur de GoTaf et responsable partenariat. Bonjour, Rémi Van Coppenol, chef de projet ESS et référent handicap chez GoTaf. Et GoTaf est une plateforme audio et inclusive de recherche d'emploi et nous sommes lauréats du programme 21 OETH. Donc GoTaf est une plateforme audio de recrutement basée sur l'audio, c'est-à-dire que les offres peuvent être écoutées et les candidats vont postuler grâce à l'audio, ce qui simplifie beaucoup la démarche et le but est de mettre en relation les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Le but du projet GoTaf est de réduire les inégalités d'accès à l'emploi, car aujourd'hui beaucoup trop de personnes n'arrivent pas à trouver les offres qui leur correspondent ou n'arrivent pas à candidater pour ces offres, alors que dans de nombreux cas, elles pourraient répondre aux attentes des recruteurs. Du coup, le programme Accélérateur 21 va nous mettre en collaboration avec la Croix-Rouge française et l'OETH, ce qui nous permettra de nous mettre en relation avec des candidats en situation de handicap, mais aussi des recruteurs. L'objectif, c'est vraiment de modéliser un processus en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puis on constate aujourd'hui que malgré les lois de 1987 et 2005, il y a encore un fort taux de chômage pour ces personnes qui s'élève aujourd'hui donc à 22%. Ce qui me motive pour m'impliquer dans ce beau projet qu'est GoTaf, c'est de prouver à travers cette expérience que l'on peut concilier monde du numérique et innovation sociale. De mon côté, ce qui me motive, c'est de pouvoir contribuer au changement sociétal en faisant évoluer la culture du recrutement en faveur de tous.